à l'occasion de la montée en puissance d'Éric Zemmour, candidat pas encore officiel pour 2022, dans les sondages, CA vous a invité trois femmes religieuses. Toutes ont fait une analyse peu flatteuse de l'ancien chroniqueur de CNews. Éric Zemmour n'a pas convaincu tout le monde avec ses positions politiques. Ce lundi 1er novembre, dans CA vous sur France 5, Colin Baloul, un imam, a donné sa propre analyse sur le potentiel candidat 2022. Éric Zemmour est complexé par ses origines, de son histoire, je pense, a-t-elle lancé sur le plateau de télévision. Zemmour est un mot berbère, et il a tendance à oublier et à parler de cette idée de franciser les prénoms musulmans, a expliqué l'imam. Éric Zemmour instrumentalise la religion. De son côté, dans cette même émission, Emmanuel Siebold, une pasteur, a fait quelques déclarations sur l'essayiste. Ma réaction, c'est de me dire, pourquoi cet homme ressent-il autant de haine pour tous ceux qui l'entourent et pour lui-même, s'est-elle interrogée en ressassant les discours de l'ancien collègue de Christine Kelly. C'est la haine de soi. Il projette la haine de lui-même sur les autres, a conclu la pasteur. Je me dis, comment peut-on être aussi malheureux pour vouloir autant de mal à tout le monde, s'est-elle interrogée. Les prises de position de réaction de ces deux femmes religieuses ont en tout cas suscité quelques réactions sur Twitter. Qu'est-ce que ça vous inspire en tout cas, cet usage politique de la religion et ce que disait Patrick, à savoir que les antisémites puissent être séduits par un juif? Oui, pour moi ça fait écho à ce qu'on voit au tout début de l'Exode, en réalité. Au tout début de l'Exode, le pharaon a peur que les Juifs, que les Hébreux à l'époque prennent l'ensemble de la place. Et pour cette raison, il essaye de détruire le judaïsme à ce moment-là. C'est ce fantasme. Et ce qui est important pour moi, c'est de me rappeler en permanence que le centre du judaïsme, c'est justement la sortie d'Égypte. Ou en tout cas ce récit, c'est le fait de dire que puisque nous avons été étrangers, nous devons respecter l'étranger comme nous-mêmes, et faire particulièrement attention à lui et à elle. Et là, je pense que la grande question, c'est est-ce qu'on est capable de stopper le cycle de la violence ou est-ce qu'on perpétue ce cycle? Si moi, j'ai été opprimée ou si je ne suis pas sûre de mon identité, est-ce que je vais essayer de devoir l'imposer trois fois plus aux autres? Et jusqu'à quand est-ce que ça va se perpétuer? Et comment on fait pour l'arrêter? Il y a différentes façons de le faire. Et la première, je pense que c'est de se recentrer sur ce qui est vraiment notre identité, parce que nos identités à toutes et tous en tant qu'êtres humains sont fortes. Bien sûr. On n'a pas besoin de se battre de cette façon-là, je pense. Toutes les trois, et vos trois religions sont attaquées par Éric Zemmour. Il justifie les massacres de la Saint-Barthélemy, il justifie le siège et le massacre de La Rochelle par Richelieu. Les musulmans, pas la peine d'en parler, on sait ce qu'il en pense. Qu'est-ce que ça suscite comme réaction en vous qu'on puisse être attaqué de cette manière-là, dans un discours politique, encore une fois? En fait, moi, ma réaction, c'est de me dire pourquoi cet homme ressent-il autant de haine pour tous ceux qui l'entourent et pour lui-même, en fait. C'est la haine de soi. Il projette la haine de lui-même sur les autres. Et je me dis, comment on peut être aussi malheureux pour vouloir autant de mal à tout le monde? Ouais. Voilà. Kaina Baloul. Alors, vous l'avez dit, Éric Zemmour instrumentalise la religion. Et les intégristes islamistes instrumentalisent la religion. Zemmour est complexé de ses origines, de son histoire, je pense, parce que Zemmour est un mot berbère. Et ça, il a tendance à l'oublier, à parler de cette idée de franciser les prénoms musulmans. Pour moi, Zemmour a exactement le même fonctionnement que les intégristes islamistes. Alors que peut-être qu'au fond lui-même, il est... Oui, tout à fait. Et même concernant son approche en ce qui concerne les textes fondateurs, les textes de l'islam, par exemple, il en fait exactement la même lecture fragmentaire, partiale, superficielle, qui n'a aucune approche historique ni contextuelle des textes. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.